Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider. Et donc la dernière fois, on s'en était arrêté ici. On venait d'arriver sur une espèce de zone où il y avait beaucoup de cadavres. Des cadavres des Trinitaires. Où il y a un joli couteau là planté dans le squelette. Et ben on avançait, on essayait de trouver, enfin d'avancer, je sais plus exactement ce qu'on cherchait. C'est pas un truc ça, non? Là, il y a des ressources dont on s'en fout complètement. J'aurais peut-être pu fabriquer des trucs à mon campement, je ne sais pas. On verra, on avance. Il y avait des espèces de créatures là qui nous faisaient peur là. Ce sont sûrement des humains un peu chelous. C'est sympatoche ici. Ah! Ah oui! Ah, ils ont l'air humains, mais moyens quand même. Éteins ta lampe, torche, peut-être, non? C'est peut-être une bonne idée. Coucou. Putain! Il m'a fait flipper lui. Il m'a fait flipper. Quoi? C'est quoi ces trucs? Quoi, ils sont dégueulasses. Non mais oh. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh my god. Oups. Ils sont archi dégueux. Boum. En voilà d'autres. Ouais. D'où? Oh vas-y. Efficace en tout cas le pompe hein. Ouah. Aïe. Ils sont où? Hop là. Le pompe est assez efficace hein. Carrément. Voilà. Il y en a combien? Faut que je bouge. Ouais, ce serait pas une mauvaise idée, effectivement. On va ramasser un peu tout ce qui traîne. Qu'est-ce qu'ils ont sur eux? Des trucs, des flèches. Sinon, les ressources, on a tout ce qu'il faut déjà. Bon, bah on va se casser de là. Sûrement par là du coup. Ah, balle de pompe. Ok, il y a des caisses de mine comme ça, normal. Ouais, ils ont que des flèches à me donner, quoi, c'est pas très intéressant. Ok. Ah, tiens, là je peux pas utiliser un truc avec mon arc. Ah, abattez les effigies avec une corde. Ok. Peut-être qu'il y en avait là-bas. J'ai pas fait attention. On va juste regarder vite fait. Non. J'ai pas l'impression. Ok, donc on continue. Allez. Eh ben, c'était... comment dire, éprouvant comme première partie de vidéo. Ça commence bien. Trouver la boîte d'argent d'Ixchel. Oui, c'était ça notre objectif. Oula. Il y en a de partout. Ils sont dégueulasses, ils sont des espèces d'os qui leur sortent un peu de partout. Ces créatures sont très bizarres. Oh. La lune. Bon. Un œil. Et maintenant. Non, ah non. Rien à voir. C'était juste un axe. Ok, alors là on va faire tourner ce machin. Ça ne fait rien. Ok, oui, j'ai compris. Non. Non, 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 non. Il faut juste que je fasse ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas vraiment.
fais le tour du pâté de maison avant, quoi, avant de... Il y a quelque chose qui bloque. Oh, zut. Dans l'eau à tous les coups. Évidemment. C'est ça. Et oui. Hop. Voilà. Donc là, a priori, on a libéré le truc. Tiens, il y a une boîte de ressources là. On a tout ce qu'il faut, non? Ouais, quasiment. Ok, donc maintenant ça tourne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est parti. C'est bon? Un point de compétence. Yes. Ah, je peux passer sous l'eau. Ok, oula. Vas-y, dépêche-toi. Je respire pas tant que je veux, moi. Oh. Oh merde. Oh merde. Oh, de l'or. J'ai plus d'air, mais alors pour ramasser de l'or, vas-y qu'on s'arrête. Hop. Respire. Yes. On va quand même aller voir cette boîte, des fois qu'il y a un truc intéressant. Hop. C'est pas très intéressant, mais bon. C'est des ressources. Peut-être que ça m'aidera à crafter des trucs plus tard. Alors. Ou un piège. Clac. Là, c'est quoi? C'est ça la touche. Ok. Ça pue le piège aussi. Qu'est-ce que tu veux toi? Je dois réussir à traverser. Ils sont bidons un peu quand même. Faut dire que mon pompe est très puissant, je crois. Journal de... Oh, j'ai pas envie de lire. J'ai pas envie de lire aujourd'hui. Ah oui, il y a des pics en bas. Ça sent la petite séance d'escalade. Hop là. Alors ici on va où? Ici on va où? Ah ouais, là. Ok. Voilà. La petite truc en rappel. Voilà. On s'arrête ici et là. Wouah. Aïe aïe aïe. Ça pique. J'aurais peut-être dû faire 2-3 petits allers-retours avant de sauter. Je dois réussir à traverser. Hop. Chouk là. Hop. Ça fait beaucoup de piques, hein. Là, ouf. Bon, c'est passé. Il y a une lettre là par terre, non? Je peux y aller là? Oui. Ok. Il y a un journal, on se demande comment il est arrivé jusque là, mais bon. C'est pas grave ça. Pourquoi là il y a du... Ah oui, j'ai cru que c'était de l'eau en dessous. Non, c'est pas de l'eau. Wouah. Ah ouais. Ça alors? Oh putain. Y'a quoi derrière cette porte? Ah, ça j'aimerais bien le savoir. Ah ouais, ok, vas-y. Ok. Donc. Oula, j'ai entendu des copains là. Ils sont où? Venez, je vous attends. Mon pompe, il va faire coucou. Allez, hop. On va y avoir cette porte qui va être fermée. Oula. Oui. Qui va sûrement être fermée. Enfin, qui est fermée d'ailleurs. La boîte est peut-être là. Sûrement. Sûrement. Cette corde m'a l'air de bien bonne facture pour des sauvages comme ça, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien, des ressources et de l'XP. Là-bas, il y a une boîte qui pète, là. Hop.
Oh, un bonhomme. Coucou. Chouclac. Alors, puis elle est au pistolet d'ailleurs aussi. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Il y a beaucoup, beaucoup de trinitaires. Hein. Je sais pas combien ils étaient, mais. Il y en a vraiment un paquet de soldats. Putain, il m'a fait peur lui. Oh bordel. Oh le sursaut que j'ai fait. Putain, mais j'ai tellement sursauté. Oh là là, le jumpscare là. Sérieux, faut qu'ils arrêtent hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux tirer ça? Ouais. C'est pas possible quoi. J'ai tellement flippé. Bon, alors. Pourquoi il me donne plein de munitions comme ça? En général, c'est pas une bonne. C'est pas une bonne nouvelle quand il donne plein de munitions comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh là là. Encore une énigme. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah. Ok, donc ça, ça va sûrement comme ça. Puisque celui-ci, il va couler dans celui-ci. Et après, celui-ci, il va falloir le faire couler là. Et lui, il va alimenter cette roue à aube. Bon, ah, j'ai plus que 18 balles de pompe. Ok, on va faire avec. Enfin, 100, du coup. Quand on en aura plus. Alors, on va remonter là. Putain, mais ils font flipper eux. Ouais, pourquoi on nous fait monter là? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Est-ce qu'on peut monter là? Quoi ça sert? Je peux pas aller en face là. J'ai pas l'impression. Ok, là il y a la roue. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Ouais, ok. Faut que j'aille où là? Ok, là on est devant la porte. On va aller dans la flotte un peu. On n'est pas allé dans la flotte encore. J'espère qu'ils savent pas nager ces trucs bizarres. Parce que les voir dans la flotte, ça me rassurerait pas. Oh là, il y a du courant là, ou c'est moi? On dirait bien qu'il y a du courant. Ok, donc là je suis arrivé là, je vais essayer d'aller là-dessous. Il y a sûrement quelque chose. Ah non. Rien du tout. Bah yes. Allez, je prends ça. Voilà. Donc là on est ici. Donc y a rien de plus. Je crois qu'elle a essayé de dire quelque chose. On va voir. Là on peut passer ici. Oui c'est là que j'ai ouvert, on s'en souvient. Ah y a un truc sous l'eau là, non? Qu'est-ce que ce truc rouge? Ah mais c'est une plante. Ok donc rien d'intéressant.
rien de foufou. Alors, on va essayer d'écouter ce qu'elle a à dire. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Oui, merci. Ah, mais attends, je peux changer le truc, là. Et lui, il va où, là? Je peux pas faire quelque chose là-dessus, non. Donc là, je peux faire comme ça, par contre. Ok. Donc là, je peux faire quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, c'est celui du haut, là-bas. Ah, il y a quelque chose, là. Je peux pas, genre... Non. Absolument pas. On dirait une tyrolienne, donc il va peut-être falloir que je monte là-bas. Alors peut-être que je peux passer par là du coup, en fait. Non. Absolument pas. Peut-être sur la statue là. Enfin l'espèce de visage. Ici là. Absolument pas non plus. Ok. Là y'a rien. Là. Non, je peux pas monter dessus. Donc. Faut que j'aille là-haut. Enfin, on dirait. Comment je peux faire pour aller là-bas? Bon, ça fait rien ça. Là, il y a une corde, là, on voit bien que là, il y a... Ça ne sert à rien. Ok. Oui, là, je peux tirer là-dedans. Faut que je trouve une autre manivelle. Ok, ouais, donc c'est plutôt de l'autre côté qu'il devrait y avoir une manivelle. Là, on est d'accord que je reviens carrément en arrière. Ouais. Donc, il y a sûrement quelque chose par là. Mais quoi? Mais quoi? Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Ok, donc ça me montre ça. Ah, j'ai cru voir un truc là. Bah, c'est une boîte, mais... On s'en fout des boîtes. Ok. Oui, j'ai compris qu'il faut que je fasse couler l'eau jusqu'à la roue, mais... Mais là, il y a des trucs qui me gênent, cocotte. Ça, je peux le faire péter. Ça sert à rien, ça fait rien tomber. Je me suis dit, peut-être ça fera tomber quelque chose, mais non. Là, on peut changer de côté. Ouais, il y a une corde là aussi, mais... pas ce qu'il faut faire. Réfléchis. Là, je peux pas. Là, il y a une corde, c'est bizarre. De l'eau, là, j'en ai pas du tout. Ce qui me paraît bizarre, c'est que là, il y a cette espèce de petit chemin ici. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi il y a ça? Pour moi, c'est une tyrolienne, mais... Je suis plus sûr, du coup. Là-haut, c'est obligé. Ah, je crois que je sais.
faut se servir de la tête là. Ouais. Ok, j'ai compris. On va se servir de ça pour monter en haut. Eh oui. Voilà. Et voilà. Ah. C'est bien vu. Voilà. Et là, on casse ce truc. Allez, quand tu veux, cocotte. Je sais pas viser, hein. Toujours un peu de mal, hein. Ok. Bon. Et bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce que t'avais, toi, des flèches? Merci. Putain, c'est grand, hein. Wow. Flipper cette tête. C'est très très grand. Allez. Ça sent les ennemis qui vont pop, ça aussi. Non, même pas. Eh ben dis donc. Pourtant, je m'y attendais, hein. Alors, on va commencer par remettre lui comme il faut. Oh là, y en a un qui sort là. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas où? Bah vas-y, va là-bas, tranquille. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Allez. Hop. Dans l'autre sens. Et il monte là-bas en haut maintenant. Oui. Clac, clac, voilà. Clac. Et voilà. J'y suis presque. Oh. Oh, ça s'ouvre. Des orukaïs. Mais ils sortent d'où comme ça? Mais. Ah, ils sortent d'où, hein? Tu m'expliques d'où ils sortent? Vas-y, qu'est-ce que vous voulez là-bas? Oula, ça pique. Oula, mais. Putain, ça allait mieux avec ça. Voilà. Non, mais oh. Ok. Donc on va retourner voir la porte, je suppose. Ouah, allez. Venez là, moi je vous défonce. Alors, les Trinitaires, ils étaient toute une armée. Sûrement bien mieux équipés que moi. Et ils ont pas réussi à venir à bout de ces trucs dégueulasses. Moi j'arrive toute seule. Deux portes, évidemment. Eh oui. Mais ça doit être la dernière. Ah, elle est en or. Ok, donc l'autre, ça doit être de l'autre côté qu'il faut ouvrir, non? Non. Non, c'est pas là. Ouais, deux portes, très bien. Mais il n'y a aucun indice. Démerde-toi. Ah, sous l'eau. Ça a ouvert quelque chose. Ah oui. Ok, fallait le savoir. Putain, ça tu le devines pas, bordel. Allez, passe. Voilà, très bien. Bah, remarque, j'avais deviné qu'il fallait aller de l'autre côté. Ok, donc là, il y avait le même bordel. Je les entends crier ou respirer. Pas stressant du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y a un truc là. Ah, c'est les idoles machin là, qu'il faut que je casse. Ok, donc là il y a ça là-bas. Il y a des trucs en haut là-bas. Hop. On va monter voir. Là il y a rien. Je peux pas ramasser ça si voilà. Là il y a rien. On peut monter là. J'aime pas tous ces trous. Ça s'est allumé chelou là, non? Ils sont... Quoi? Qu'est-ce que t'as dit?
Redis-moi ça. Il n'y a pas beaucoup de vie, lui. Ah, tire à la tête. Coup de bol. Putain, je suis stressé, là. Putain. Barrez-vous. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Putain. Ils font flipper, le bordel. Ils font vraiment flipper, ceux-là. Bah là, c'est facile, non? J'aime pas ces bruits du tout, quoi. Ça me stresse. Putain, j'ai toujours l'impression qu'il y en a un qui va sortir de je sais pas où. Ils sont où? Possible ça. Bon. Bon, hein, ça se présente bien. Je sais pas pourquoi je sens que ça va pas bien se passer. Ça tourne pas. Et ça tourne pas. Comme par hasard. Il va falloir descendre dans la flotte. Là où il y a les trucs chelous. Qui font du bruit bizarre. Là où il y a les monstres qui font peur. Moi aussi je sais parler comme ça. C'est bon, hein. Sortez d'où vous êtes là. Que je vous plombe. Bon. Qu'est-ce qui tourne pas? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Ça. J'ai l'impression que ça va tous péter quand je vais l'enlever. Non, ça va. Ok. Oh là là. Oh là là. Va crever. Merci. Tiens, boum. C'est chaud. Ils sont où? Ils sont où? Il y en a en bas, il y en a en bas. Hop là. Alors, attendez, lui. Voilà. C'est chaud là. Merde, ils sont trop nombreux. Ah ouais, je fais quoi? Ils sont trop nombreux. Comment ça? Comment ça, merde, ils sont trop nombreux? Ils sont où? Y'a personne. J'ai peur d'activer le machin et de me retrouver. Allez, vas-y. Voilà. Oh. C'est ouvert. Oula. Ça pue. Ça pue pour mon cul. Allez. Oula. Oh, ils sont dégueulasses, hein. Mais ils viennent pas. Oh. Et elle est normale. Non. Ah non. Ah non, elle est dégueulasse aussi. Ok. Au revoir. Adieu. Ils sont pas entrés. Ils ont peur. Ça pue.
silhouettes. On dirait ces créatures, mais elles sont magnifiques. Yashil, déesse de la protection. La boîte d'argent d'Ishel fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte vient de ces créatures. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Mmh. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Là! C'est forcément là! On est arrivé. Oh, stylé! Comme toujours. Une éclipse et un héron. Comme les tatouages de Noratu. Mais où est la boîte? Elle est plus là. Non, une secousse. Oh là. C'est quoi ça? D'accord. Fait flipper un peu elle, hein. Oh là, alors, j'avais envie de vous les... De Dieu! J'avais envie de vous laisser là, parce que ça fait... Ça fait une demi-heure que je tourne. Mais là, du coup, ça m'oblige à continuer. Oups là. Oh là là. Oh là 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 là, allez, on court. Bon, vous avez de la chance, vous avez profité d'un peu plus de vidéos. Parce que c'est... Oula, vas-y, mais tirez-moi dessus aussi, je vous dis rien. Et bah parce que pas le choix, je vais pas m'arrêter là en pleine course. Allez... Merde, ouais. Bon. Oh. Et bah c'est la défaite. Et bah vous savez quoi? Je vais vous laisser là. Et vous saurez la prochaine fois si j'arrive à m'en sortir. Allez, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao !